Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Vous voyez le beau véhicule qui est à mes côtés, un magnifique Ford de 1986, je ne m'y connais absolument pas. On va s'attaquer à la route de la Joséphine. La route de la mort, clairement, la route de la mort sur Grand Utopia. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et bon visionnage, on est parti, ça va chier des bulles. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, la Joséphine, la route de la Joséphine, c'est une route assez chaotique qui démarre à partir d'ici. Et on a, ça n'a pas l'air d'être... voilà, on voit juste des virages, des zigzags, on sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà, moi la première fois que j'y suis allé en camion, je pensais que c'était une route avec des virages, mais c'est tout quoi. Non, c'est vraiment une route assez... On va bien s'amuser les gars, il y a une deuxième option pour y aller, une départementale, une route très très propre. Mais le but du jeu, c'est qu'on prenne en effet cette route de la mort. Et donc pour ceci, nous sommes équipés avec un magnifique véhicule. Vous m'avez beaucoup conseillé, vous m'avez proposé pas mal d'idées, et My Goodness m'a donné une très bonne idée, et il y en avait aussi en commentaire qui m'avait proposé celui-là, donc ce fameux Ford F350 dont je ne m'y connais absolument pas. Il date de 1986, je peux vous dire que le véhicule il fait un bruit incroyable, il est d'ailleurs très joli. Je suis en manuel, il y a 6 vitesses, elle fait 170 chevaux en tout cas dans le jeu. Donc voilà, on va se régaler les amis, on rentre à l'intérieur. Regardez-moi cet intérieur comme il est magnifique, vraiment on est vraiment à l'ancienne. Mais surtout la patate mon pote, enfin la patate je sais pas encore, je sais juste que le bruit est incroyable. Alors attendez, on met le contact, ok. On allume le moteur. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. De dehors. De dehors, c'est mignon. On allume les lumières. On donne un petit coup de gaz. C'est sympa, hein. C'est sympa. C'est sympa, voilà, c'est sympa. À voir ce que ça va donner sur le terrain. Nous les gars, on est parti. On a le petit GPS à gauche. Je roule donc en manuel. Ça va être assez cocasse. Ok, on est sur une petite rue pavillonnée. Donc on commence au niveau de Château d'Ours. Le gabarit du véhicule, je ne le connais pas. Ça va être amusant. Ça va être amusant, c'est une expérience très très différente de tout ce que j'ai fait d'habitude. Surtout qu'on voit pas les rétros, c'est très américain pour le coup. C'est très américain. Alors, on va y aller tout doucement. Et il faut qu'on tourne à droite. Je sens que je vais pas beaucoup parler là. Je sens que je vais pas beaucoup parler. Oh putain. Alors je peux pas étourner la tête et passer les vitesses. Ouh lolo. Ok, on a... on a encastré le premier poteau. Pourtant les gars, je peux vous dire la route de la mort elle a pas commencé du tout hein. Là c'est juste un petit chemin de terre. Voilà, il faut juste que je m'habitue au gabarit du véhicule parce que j'ai vraiment pas les dimensions hein. J'ai vraiment pas les dimensions en tête. C'est pas une voiture, c'est pas un camion. C'est assez terrible. Ok, donc ça nous fait passer par un petit chemin déjà sinueux. Ça nous met dans de très bonnes conditions. J'aurais dû tourner plus tôt, mais ça passe. Ouais, je pense qu'en vrai on va s'en sortir sur la route de la mort avec cette avec ce 4x4. Alors comment on peut appeler ça d'ailleurs, je sais pas, un 4x4, un tout-terrain, un pick-up, Je sais pas comment on appelle ça, vraiment je suis pas du tout connaisseur là-dedans et donc j'ai pas envie de faire genre. Donc je ne dirai rien tout simplement. Merci pour vos commentaires et sur la dernière vidéo, alors voilà, vous m'avez régalé, vous m'avez donné d'autres idées de véhicules que je prends bien note et je continue de prendre note. Donc en commentaire n'hésitez pas à proposer d'autres idées de véhicules à tester pour d'autres routes, hein, des routes plus normales n'est-ce pas. Par contre vous avez validé la 206, enfin la 206 non c'était la 308, mais vous avez également validé la 206 donc de la vie de tous les jours que moi par exemple j'utilise. Ah, je suis content parce que Peugeot les gars c'est une marque qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, on est arrivé à la route de la Joséphine. Hop là, bienvenue. The Utopian Government. Attendez parce que c'est écrit en français au-dessus, donc j'ai un peu la flemme. Voilà. Le gouvernement utopien décline toute responsabilité en cas d'accident ou de chute mortelle. Vous entrez à vos risques et périls.
route dangereuse, ça ne rigole pas les gars. On est parti. On est parti. J'ai réfléchi quelques instants avant d'entamer la route. Mais là on est bel et bien parti. Il y a un monsieur qui est en train de lire un panneau. C'est très touristique ici hein, forcément. On est parti les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Donc là ça commence bien, on connaît. Moi je me souviens, souvenez-vous, hein, pour ceux qui avaient regardé ma série sur Grand Utopia en camion, là je roule en camion tranquille. Je me dis ah c'est rigolo, en plus là il y a des gens sur la plage, on roule sur une plage, c'est génial. C'est écrit route dangereuse parce que bah, on peut rester dans le sable, donc c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, moi j'étais en train de discuter, je m'en souviens, je parlais de je sais plus quoi, je parlais de l'actualité de ma chaîne il me semble, quelque chose comme ça. Puis d'un coup j'arrive là et je commence à voir la flotte là. Je commence à voir la flotte et je me dis qu'est-ce qui se passe. Et là j'ai paniqué. Mais donc il faut rouler dans l'eau. Et là on est avec un véhicule qui tient la route en théorie. Alors la route, on va essayer de suivre le GPS approximativement parlant. Ça devrait aller. Là c'est rien hein. C'est vraiment pas du tout compliqué. D'ailleurs vous voyez sur le GPS le point d'exclamation il arrive seulement après hein. D'accord. Ok. Ça devrait aller. Bon forcément voilà, on n'a pas de remorque, on n'a pas de camion. Donc ça va être quand même beaucoup plus facile les gars hein, qu'on soit bien d'accord. Le but du jeu c'est quand même éviter de planter le camion, le... Ouais, on va appeler ça un camion les gars parce que j'ai pas envie d'appeler ça une voiture ou un 4x4 ou un SUV, c'est trop long. Donc je vais appeler ça un camion, je suis désolé, c'est un peu ridicule. Mais voilà, aïe 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 aïe. Moteur puissant nécessaire à partir d'ici les gars, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On y est les gars. Oh putain, ça secoue pas mal. Là faut juste espérer qu'il n'y ait pas de véhicule en face. Faut espérer qu'il n'y ait pas de véhicule en face. Attendez, hop. On va éviter de tourner les roues à fond, évidemment. Il faut être le plus droit possible. Je rappelle, et je vais les rappeler tout le long, mais je suis en manuel. Ce qui rajoute une petite difficulté amusante. Pas mal, pas mal. Bon, spoil alerte, normalement, il n'y aura pas de véhicule en face. Hein. Et en vrai, ça aurait été stylé qu'il y ait des véhicules qui arrivent en face. Mais ça aurait pas été trop possible, je le sais. My goodness, je sais que ce serait pas possible parce que, si je dis pas de bêtises, ça ne serait pas réaliste. Genre, il roulerait soit trop vite ou soit... il prendrait pas les bosses comme il faut. Enfin, j'imagine très bien. Oh putain de merde. Alors, je sens que ça accroche dans le volant. Vous avez peut-être pas les mêmes sensations actuellement. Mais ça fait un petit peu... voilà. Là, je reste en deuxième. Je sens que le volant accroche quand même pas mal. Je vous laisse apprécier le son parce que c'est très agréable. Oh, on voit rien du tout, mec. On voit presque pas où est la route, mec. Ça passe. Ça passe large. De toute façon, c'est de pire en pire. Hein, donc, vous inquiétez pas si vous trouvez ça trop facile. Ça devrait être un petit peu plus dur après. Mais c'est déjà pas mal. Je la referai pas en camion, par contre, hein, pour le coup. Hein. Ouais, en vrai, ça me donne envie de... En vrai, j'ai envie de faire plusieurs challenges sur cette route. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, que je fasse plusieurs challenges? Oh là, oh là, t'enflamme pas, t'enflamme pas, t'enflamme pas. Ancien village de la Joséphine abandonné suite au séisme de 1997. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, on est bien d'accord. Je suis jamais arrivé jusqu'ici en fait. Je suis jamais arrivé jusqu'ici. Waouh la vache. Ah la vache. Le klaxon, j'ai pas essayé. Ah c'est pas terrible terrible. Ah ouais. C'est vraiment stylé, il s'est fait plaisir, my goodness. Je suis en train de découvrir ou de redécouvrir, je sais plus. Pour moi, ça me dit rien. Donc, c'est très agréable de pouvoir voir ça. Ouais, je disais, ça donne envie de faire plein de challenges sur cette route. Parce que là, ça va, c'est simple. Mais genre, oh, les cailloux. Non, ça, normalement, je suis en train de niquer tout le pare-choc et tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Oh, j'ai une anecdote d'ailleurs à raconter. Enfin, une anecdote, c'est pas ouf, mais ça me fait penser à ma 206. Mais bref, juste pour dire, j'ai envie de faire des challenges. Peut-être que je réessayerai de conduire avec un camion et une remorque sur cette route. Voilà, vous me dites si ça vous intéresse. De toute façon, rien ne nous empêche de retourner en camion de temps en temps faire des vidéos. Hein. Je suis pas marié. Je suis pas marié au mode de voiture. Ouais, vous voyez les pierres là qu'il y a au milieu là? Eh ben, ça me fait grave penser. Oh merde, eh ben voilà. C'est presque l'anecdote que je vais vous raconter. Non, pas du tout. Oh là 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 là, mec. Bah en gros avec ma 206, vous savez ce genre de voiture, les 206 tout ça, bah c'est quand même vachement bas. C'est pas non plus les voitures sportives mais c'est bas tu vois. Et des fois il y a des dodanes, ils sont pas du tout homologués, les ralentisseurs c'est un calvaire en France. Et je vous jure il y a des trucs, c'est tellement haut, ça a fait un... Enfin ça a accroché en bas et tout genre... c'était une galère. Voilà, c'était l'anecdote la plus courte et la moins pertinente possible. Mais elle est sortie de ma bouche. Donc voilà. Ok, ça va là. Et je suis jamais arrivé jusqu'ici en vrai.
Je suis jamais arrivé jusqu'ici, donc c'est de la découverte. Un peu plus plaisant par ici. Ce côté-là est quand même plus... plus idyllique. Voilà. Et le pont que vous voyez au-dessus, on l'a déjà pris, donc c'est la départementale qui permet d'arriver à la Joséphine sans encombre, sans passer par cette route... Faut que j'aille où, là? Il y avait quoi à droite? Oh, j'avais envie d'y aller. Attendez. Attendez. De toute façon, il n'y a personne. Ok, il n'y a pas de bip de marche arrière. Bah oui, putain, je suis con. Je me suis cru un camion. Alors attendez, hop. Normalement, on va déranger personne. Voilà. Hop. Ni vu ni connu, moi je vais aller voir ce qu'il y a là parce que j'y suis jamais allé. Alors déjà, c'est des drapeaux irlandais. Si je dis pas de bêtises, j'adore le bruit, mec. Le bruit est incroyable. Hein. C'est presque mieux que les Porsche qu'on a essayé et tout. Oh. Ok, c'est juste une petite aire. Hey, salut! Iris Wombat. J'ai pas la ref. Il y a une private joke. Je crois qu'il y a une private joke, j'ai pas la ref. Mais ça a l'air amusant, les gars. Si vous avez la ref, n'hésitez pas. Ça veut dire quoi? Iris. C'est quoi Wombat? Qu'est-ce que ça veut dire, Wombat? Je sais pas du tout. J'ai pas du tout la ref. Oh, c'est dommage. Bien sympa, en tout cas. Voilà. Allez. On y va à fond les ballons, les gars. On va voir un petit peu. What? Wesh! Comment j'ai glissé? Je sais pas si vous avez ressenti. Là, je suis parti en drift, mec. C'était un bateau. Ça m'a fait penser à la Tesla de la dernière vidéo. Vas-y, on y va à fond. On essaye. Wouh! Attendez, c'est un bateau, le truc. Tu fais crisser les pneus, mec. Et enfin, crisser les pneus, là, c'est pas vraiment le bon mot. Là, c'est plutôt déraper. Là, on a failli se retourner. Bonjour. Allez, là on se fait plaisir, les gars. Là on se fait plaisir, on a vu que c'est possible. Ah oui, non, c'est pas fini. C'est pas fini, fais pas le con. Oh là là, je connaissais pas ce passage. Reste sur la terre, reste sur la terre. Ça passe large, ça passe large. J'adore, 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 j'adore. Ok. Ça passe de ouf. Oh, j'ai perdu un petit peu le contrôle. En fait, ça part. En fait, c'est un véhicule pour faire du drift ou quoi? Oh, j'ai calé. Ok, j'ai repris le contrôle. J'ai calé. Je crois que j'ai fait du mal au moteur là. Ok. On essaye d'y aller un petit peu en mode sport. C'est amusant. Eh, hey, ça va. Hop là. Heureusement. Heureusement, je suis entraîné dans la vraie vie, vous le savez. Hein. Mais je crois qu'il n'y aura pas de coupure sur cette vidéo. Hein. Je fais tout d'une traite là. Il n'y aura même pas de cut. Comme ça, vous verrez tout à l'état brut parce que clairement... Putain, mais attends, c'est quoi ce tunnel, frère? Je suis jamais allé là, c'est un truc de malade. Oh là, ça monte. Je suis en quatrième. On va éviter de planter le 1. On a fait tomber un poteau au début de la vidéo, mais c'est pas du tout grave. Là, ce serait dommage de se prendre un mur. Ok. C'est incroyable. Alors là, j'ai réussi à m'encastrer, je crois. Je me suis encastré. Non! Je me suis encastré! Ah ouais, bah là c'est bugué, mais. Alors on va devoir se démerder. Ok, me demandez pas par quel moyen j'ai réussi à me sortir de cette galère. Bon, vous avez très bien compris comment j'ai fait. Ah la vache! Ah là je suis allé. Bon, bah voilà, là c'est de ma faute, j'ai roulé trop vite. Là. C'est de ma faute, donc premier échec. Premier échec. J'espère bien le seul. Mais à part ça, ça se passe relativement bien. Je trouve que j'ai vraiment bien assuré jusqu'ici. Surtout avec les petits dérapages. Là, alors attends, là on va quand même évidemment pas être trop débile. Attends, parce que là. On dirait mon chat quand il miaule. Non, c'est pas normal, on est d'accord. Ok.
Ça passe. Je suis en quatrième, hein, si jamais, hein, tout va bien. Ok. On a réussi, mec. On a réussi avec une petite encombre. Mais on a réussi parce qu'on est arrivé, les gars. On est en train d'arriver tout doucement à la Joséphine. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé. Mais la route de la mort, en soi, elle est finie, là, je crois. Wesh. Wouah. Là, c'était un petit peu hoche. Là, c'était un petit peu hoche. Mais là, pour moi, la route de la mort, elle est terminée. En vrai, là, faut juste pas être débile. Là, faut juste pas être débile. Et comme je vois rien, là... Et je lève la tête, en plus, dans la vraie vie, alors que ça ne sert à rien. C'est mignon. C'est très mignon. C'est très 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 mignon. Faudrait que j'aille où là? Parce que je ne connais pas. Alors à gauche, ça m'a l'air d'être un sens unique. La Joséphine. Je suis en train de découvrir ce coin là en tout cas. Allez, à fond, à fond, à fond, fonce! Wouh! My goodness, je suis là! Voilà. Je sais plus par où je suis arrivé en camion, moi. Mais si j'étais arrivé du même endroit que je suis, là. Ah oui, mais c'était en trichant que j'étais arrivé là. Eh oui. Église, phare, à gauche. Attends, on va aller à gauche. Je vais aller voir le phare. On est avec un véhicule adapté, on peut y aller, là. Je vais rester en première, hein, pour des raisons évidentes. Bon, on est arrivé, les gars, on a réussi, hein, si jamais, hein, bravo, hein, bravo à vous, bravo à nous. La mairie, c'est à droite. J'imagine que le phare, c'est tout droit. Est-ce qu'on peut y accéder, je pense, hein. Mec, il a mis... Je ne savais pas, mais il a mis un garage. C'est-à-dire que là, vraiment, en camion, tu peux acheter un garage ici, quoi. Faut être malade. Faut être malade. En plus, ce virage-là, mec... avec une remorque, bonjour. Bah, ce virage aussi, quoi. C'est chaud, hein. Je vais rester en deuxième, hein. On est arrivé. Ah, t'as vraiment un garage ici, quoi. Incroyable. Phare de la Joséphine. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Ça passera pas. Hop. Hop. Allez, c'est Bibi qui régale avec la YouTube Money, on a de quoi faire. Hop là, voilà. J'ai envie d'aller voir le phare de la Joséphine. Donc là, on prend ce petit chemin. On prend ce petit chemin et on arrive finalement au phare de la Joséphine. Bah d'ailleurs, regardez Joséphine. Joséphine, elle est là. Elle est plus grande qu'à la télé, hein, mais si on parle bien de la même. Ah. Excuse-moi, hein, je voulais pas te faire peur. Il s'est retourné genre en mode problem. Donc voilà le phare, très joli phare, hein, ça dit, avec une très très belle vue. J'espère que vous avez kiffé ce trajet, cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous lire en commentaire vos suggestions, vos idées. A très vite, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.